Pousse en ligne, les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 106. Une partie de ballon. Wang Shuxian, de Lu Zhao, était un gaillard d'une telle force qu'il aurait été capable de soulever à lui seul un mortier de pierre. Père et fils excellaient l'un comme l'autre au football, le jeu ancien de ballon. Mais le père s'était noyé en traversant le Tiantang alors qu'il n'avait que la quarantaine. 8 ou 9 ans s'étaient écoulés depuis ce triste accident, lorsqu'en visite pour affaires au Honan, le fils jette l'ancre au bord du lac Dongting. La lune se levait à l'est du fleuve, dont les eaux limpides s'étendaient, telle une immense nappe de soie blanche. À peine avait-il laissé errer son regard au loin, que, soudain, il aperçoit 5 hommes surgir des flots, traînant avec eux une natte qu'ils déroulent sur les eaux, une natte si vaste qu'elle couvrait largement la moitié d'un mu, soit plus de 300 mètres carrés. La compagnie dispose de vin et victuailles en abondance. Curieusement, la vaisselle, frôlée ou cognée, ne produisait qu'un bruit étouffé qui ne ressemblait en rien à de la faïence entrechoquée. L'opération terminée, 3 des hommes s'avancent, s'assoient sur la natte et se font servir par les 2 autres. L'un était en jaune, les 2 autres en blanc, tous enturbanés de noir, une haute et bizarre coiffure qui leur retombait dans le dos et sur les épaules. Difficile à distinguer au clair d'une lune voilée. Les 2 serveurs étaient en bure, l'un l'air d'un jeune garçon, l'autre un vieillard apparemment. L'homme en jaune prend la parole. « Le superbe clair de lune ! Un clair de lune à boire à cœur joie !»« Une soirée qui me rappelle le temps où le roi dragon des mers du sud, vaste profit, donnait un magnifique banquet sur l'île aux fleurs de Poirier, » répliqua l'un des hommes en blanc. Les 3 convives s'encourageaient à vider gaiement leur coupe, mais ils parlaient si bas que Wang Shuxian n'entendait que des chuchotements. Ses bateliers étaient terrés, osant à peine respirer. Lui-même faisait porter toute son attention sur le vieux qui servait et lui semblait ressembler étonnamment à son père, mais sa voix, quand il parlait, n'en avait pas du tout le timbre. La 2e veille allait s'achever sur l'heure de minuit lorsqu'un des convives s'écria « Quel plaisir ce serait une partie de ballon sous ce beau clair de lune !» Aussitôt, le jeune garçon plongea et ressortit avec un ballon, si gros qu'il lui remplissait les 2 bras. Lumineux, il semblait plein de vif argent. Tous ceux qui étaient restés assis se levèrent. L'homme en jaune cria au vieux serviteur de leur lancer le ballon. Il l'envoya à plus d'une toise de hauteur, provoquant un jet de lumière éblouissant. La fois suivante, expédié plus loin encore, il retomba sur le bateau. Démangé par l'envie d'exercer l'art dans lequel il excellait, Wang le propulsa d'un coup de pied lancé de toutes ses forces, si dur qu'il avait l'impression d'avoir percé une balle étrangement molle et légère. Le ballon était monté à plus d'une toise, laissant échapper le jaillissement d'une clarté en forme d'arc-en-ciel. Il retomba aussitôt avec un sifflement sourd, telle une queue de comète qui se serait jetée à l'eau dans un bruit de bouillonnement avant de s'éteindre. Gros dépit du côté de la natte. « Qui est cette hurluberlu de vivant qui ose troubler notre pur plaisir ?» Le vieil homme éclate de rire. « Ah, pas mal, pas mal du tout. C'est la botte de la comète.
un coup de l'école de chez nous. » Outré de ce ton plaisant, l'un des deux hommes en blanc s'emporte en l'apostrophant. « Comment ? Tu oses y trouver de quoi rire, à ce détestable incident ? Attrape-nous ce cinglé avec l'aide du petit couillon, sinon tes cuisses et tes mollets vont tâter de ce gourdin. » Au fuir. Estimant que ce serait impossible, Wang empoigna un sabre et se tint au milieu de l'embarcation, sans manifester la moindre frayeur. Voici le jeune et le vieux qui arrivent en armes. Wang dévisage attentivement l'homme âgé. C'était bien son père. Il l'interpelle. « C'est moi, ton fils, qui suis ici !» Sous le coup de la surprise, le vieil homme le regarde, désemparé, abattu. Le jeune serviteur fait aussitôt demi-tour. « Cache-toi, mon enfant !» lui crie le vieux. « Sinon, nous sommes tous morts !» Sa phrase n'était pas finie que les trois hommes sautaient à bord, visage noir comme lac, pupilles dilatées, de la taille de grenade. Ils cherchèrent à capturer le père. Wang les combattit sans faiblir. Il coupa les amarres, trancha le bras de l'un de ses assaillants. L'homme en jaune s'enfuit, tandis que l'autre en blanc se jetait sur lui. Il lui défonça le crâne. Le corps tomba bruyamment à l'eau. Le troisième avait profité de la confusion pour disparaître. Wang s'apprêtait à poursuivre la traversée de nuit quand il vit s'ouvrir à la surface de l'eau une sorte d'énorme bouche de la largeur d'un puits. Les flots s'y précipitaient de toutes parts dans un bruit de roches heurtées. Puis, l'instant d'après, ce fut un jaillissement de vagues qui semblait vouloir atteindre les étoiles. Des milliers d'embarcations étaient secouées sur le lac, précipitant les gens dans la panique. Il y avait deux tambours de pierre, de 120 livres chacun, sur le bateau de Wang Shuxia. Il en souleva un qui heurta l'eau avec un bruit de tonnerre. Les vagues s'affaiblirent. Il balança l'autre par-dessus bord. Le calme revint. Wang était convaincu que son père était un fantôme, mais celui-ci l'en détrompa. « Je t'assure que je ne suis pas mort. 19 personnes étaient noyées ce jour-là, toutes dévorées par des créatures maléfiques, sauf moi. J'ai eu la vie sauve parce que je savais jouer au ballon. Coupable aux yeux de la divinité qui règne sur le fleuve Xiantang, ces créatures ont dû s'exiler dans le lac Dongting. Les trois convives sont des esprits poissons, le ballon, une vessie. » Submergés de joie, père et fils se retrouvaient donc en vie. Frappant les flots de la longue rame, ils s'enfuirent au milieu de la nuit. Au point du jour, ils découvrirent à bord un aileron de requin long de 4 ou 5 pieds. Ils comprirent que c'était ce qui restait du bras coupé au cours du combat nocturne.